Bonsoir, nous sommes le 20 mars, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Notre point fashion est cette question. Est-ce que, comme chaque jour, l'invité de Bourdin s'est habillé comme lui? C'était le cas avec Sandrine Rousseau lundi et Michel-Édouard Leclerc hier. Et ce matin, Raphaël Glucksmann. En faute pour Raphaël Glucksmann. Nostalgie ce midi. Émilie recevait l'idole de ma jeunesse. Serge Zaka. Walk a Texas Ranger. On pourrait prévenir quand même quand elle reçoit des stars américaines. Et enfin, Adrien Gendre a joué à Je complète les phrases de l'invité. La préparation de cet été. D'un été, toutes les pistes qui nous permettent de faire des économies. Donc il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Avec... De l'inquiétude. Avec vigilance. Ah, perdu. À la une de ce mercredi. Ah, oh, vous entendez? C'est le printemps. Les oiseaux chantent. J'ai ressorti une chemise en lin bleu michou. Vous savez ce que ça signifie? Vous voyez? Ça va très bien. Il est là. Il est revenu. Le printemps. Bonjour d'abord. C'est le printemps. C'est le printemps, Alexandra. Le printemps est là, le soleil brille, on en profite. Aujourd'hui, le premier jour du printemps. Le début du printemps. C'est le début du printemps. Aujourd'hui, on a officiellement démarré le printemps. Mais c'est le printemps. Ça y est, officiellement, depuis 4h du matin. Alors, oui. Et ça te fait super plaisir. Youpi, c'est le retour du printemps. La Terre est au bord du gouffre. C'est l'ONU qui alerte avec des records de chaleur. Les feux sont déjà au rouge pour l'Organisation météorologique mondiale. Cette année 2023, qui est aussi l'année la plus chaude jamais enregistrée. Cette probabilité élevée que 2024 soit l'année la plus chaude de l'histoire. Eh bien, belle fin de vie à tous. À demain. Non, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. On est les champions. Les Français sont aussi traditionnellement les plus gros consommateurs de Porto au monde. Voilà, table ronde sur la fiscalité de l'alcool au Sénat, sujet visiblement testé avant d'en débattre. Le cadre légal et réglementaire des plus protecteurs d'Europe. Est-ce que une fiscalisation, notamment aux États-Unis, et qui s'est donc apparue en France? Et au même moment, Rachida Dati était auditionnée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée et je pense qu'elle avait déjeuné avec ses potes du Sénat. Face à tous ces bouleversements, pour moi, c'est non négociable. Et la condition à la juste rémunération du nouveau contexte de l'intelligence artificielle. Une exigence que nous devrons avoir. Ce n'est pas le ministre qui décide sur cet aspect-là. Les élus ruraux, avec de l'éditorialisation... Et au cours de cette audition, nous avons croisé l'espion le plus discret du monde. Dans la ruralité. Allez hop, ni vu ni connu, clic-clac, c'est dans la boîte, et ça part sur Biril. Allez hop, voilà. Les députés se bidonnent pour un rien. Quelle stratégie pour l'éducation et les guettes? Ah ouais, c'est trompé de mots, elle va finir dans la BC, on dirait moi. Et pour s'occuper pendant ces 3 heures, certains se sont lancés dans une petite partie de motus. La fiscalité du CNC est aujourd'hui constituée de 4 perceptions. La TSA, la TST éditeur, la TST distributeur, et la TSV. Beaucoup de lettres. Et enfin, vu le député qui était hyper content d'être là. Je compte sur vous. Merci, monsieur le député. Bertrand Sor. Alors, je veux bien, mais je suis vraiment même pas à micronique. Bertrand Sor. Oui, donc je me rassois et politique toujours. Avec la présentation ce matin par Gabriel Attal à Bercy du plan de lutte contre les fraudes. Thème que le Premier ministre avait très bien révisé. Il connaît toutes les déclinaisons, adjectifs, verbes conjugués ou non. Il maîtrise tout. Un vaste plan de lutte contre les fraudes fiscales, les fraudeurs. Ensuite, parce que la fraude, chaque euro fraudé à la fraude, ce qui incite à frauder 750 dossiers frauduleux. Sans oublier, fraude, ah je l'ai raté, fraude et Jamy, qui était déjà pas dingue quand on la prononce bien, mais encore moins quand on la loupe. Une présentation qui était aussi l'occasion de rendre hommage à Bertrand Renard des chiffres et des lettres. 280 et 350 supplémentaires, 1450 plus d'un milliard, 15,2 milliards, 30 000 et 309 millions, 2 milliards et 500 000, près de 400 millions, 351 millions, 7200, 500 millions, 450 millions, 11 millions, 5 millions, 500 millions, 1,2 milliard. Et on passe aux lettres maintenant. L'AMICAF, le SEJF, la CNAM, l'ANA, la DGFIP, le CPF, des URSAF, l'ONAF, la DNROD, des CAF, la DGFIP, SEJF. Alors j'ai un 9 lettres imbitable. Et c'était le grand retour à Bercy pour Gabriel Attal après son passage au compte public, période à laquelle Bruno Le Maire le considérait encore comme un simple stagiaire, souvenez-vous. Deux choses que vous voyez très précisément sur ce graphique. La première, c'est... Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est pas à moi de dire ça. Vas-y mon petit jeune. Non, c'est pas à moi de faire ça.
Il me saoule. Si on était resté à... Enfin voilà, j'en arrête là. Voilà, ce qui m'a gavé. C'est pas possible, sérieusement et vivement que je sois Premier ministre. Une petite humiliation encore vive dans le cœur de Gabriel Attal qui s'est donc ce matin vengé sur Thomas Cazenave qui n'avait rien demandé à personne, mais les rôles ont été inversés. Il lui a donc refilé toutes les questions auxquelles il n'avait pas envie de répondre. Je te laisse faire la première et je fais les suivantes. Tu veux... alors peut-être sur la deuxième, je te laisserai répondre. Je te laisse sur l'évaluation. Oui, sur l'évaluation. Ça, je te laisserai... Et enfin, la dernière question, c'était sur... l'IA. Et ça, c'est Thomas qui va répondre. Merci. Merci pour la patate chaude. Et on entend souvent ici ou là que Gabriel Attal est un mini Macron. C'est faux, c'est pas tout à fait ça. C'est un Macron smooth. Il fait tout comme lui, mais en version « j'ai bu une tisane nuit tranquille ». Exemple, quand son boss s'énerve sur un pupitre. Ma confiance, ma reconnaissance, parce que tant que je serai ici... Lui, il le fait plus doux, comme s'il toquait chez quelqu'un. La contrefaçon de tabac, parfois au pied de leur bureau de tabac. Qui est là? C'est le Premier ministre. Autre exemple, quand Emmanuel Macron se prend pour un animateur télé. Il y a trois dernières interventions, c'est moi qui prends le micro. Une là, c'est 1 minute et demie chacun, c'est pas un roman. Hein. La version Attal, c'est pareil, mais sous l'exo. Je crois qu'il y a une dame qui distribue le micro. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, bonjour. Vraiment les dernières, peut-être prendre les dernières questions. Je voyais Gaëtane Mélin, une dame là-bas. Vous pouvez faire circuler. Ouais. Alors, il y a peut-être encore deux questions ici, si vous pouvez faire circuler le micro, là. Et est-ce qu'on peut m'amener un sucre? Parce que je peux clamser à tout moment. Il faut vraiment dormir, monsieur le Premier ministre, à un moment. Allez, traversons les couloirs du temps. Ce matin, Marine Le Pen était l'invitée d'Yvan Levaille sur France Inter pour évoquer les chiffres de notre ministre du Travail, Martine Aubry. Moi, ce que je vois, ce sont les chiffres de la NPE. Voilà. Les chiffres de la NPE, c'est 5 600 000 personnes qui sont inscrites à la NPE. Qui n'existe plus depuis 2008. C'est Pôle emploi qui lui-même a laissé place à France Travail en janvier. Et interrogé sur la polémique Aya Nakamura, Marine Le Pen a fait vraiment... Là, c'est de la circassienne qui s'exprimait, du funambulisme en termes de réponse. Mais parce que Aya Nakamura est honnêtement, bon... Je vais même pas vous parler de l'entourage, bon. Voilà, tout ça pour dévier sur la tenue, enfin c'était... petite respiration, on se retrouve tout de suite après cette petite page de com, car joie, c'est mon petit plaisir personnel, la photographe officielle du président de la République a publié de nouveaux clichés. Il aime le naturel, et le confort moderne. Il est tellement musqué, mon Dieu. J'adore. On referme ces actualités avec un détour par le Vatican pour l'audience papale. François qui couve un sacré rhume, hein, quand même. Ça traîne depuis le 28 février, cette affaire. Ou alors, c'est une bonne excuse pour ne pas lire la catéchèse. Jean, encore un rhume. C'est pour ça que j'ai demandé à Mgr Chimpanel de lire la catéchèse d'aujourd'hui. J'ai encore un peu le rhume. Je ne me sens pas trop bien. Merci de votre compréhension. Je suis encore un peu enrhumée. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Mgr ici de lire ma catéchèse. Comme c'est longué pour un rhume, il s'est dit qu'il fallait trouver une autre excuse. Comme je n'arrive pas à lire, c'est à Mgr qui va lire à ma place. Prochaine audience, il dira « Bon, non, flemme. » Vas-y, excuse-moi. Alors, et comme il ne lit pas, c'est pratique puisque ça lui permet de faire autre chose. Exemple, manger un petit tic-tac en toute décontraction. Après, le pape a 87 ans. Donc, voilà, une action que nous, on ferait en 5 secondes. Ça prend un peu plus de temps avec lui qui fait des micro-siestes entre-temps. Alors, la boîte de tic-tac. Et là. Mais non, pas tout de suite. C'est bon, je les ai. Mais... Et le tic-tac, c'est bon, est arrivé à sa place. En bref, il s'est passé plein d'autres choses. Place Saint-Pierre, le pape est arrivé en papa mobile pour saluer tout le monde. À droite, et puis à gauche, mais... Ben non, il n'y avait personne. Hein. Le cirque Zavata était présent aussi, mais un peu claqué. Et en fait, après enquête, c'était pas un tic-tac, hein, mais un charbon de Belloc, Babette. La présentation des vertus... Oh non, c'est lamentable. Vu aussi ce cardinal qui voulait manger le pape. Mais il y a un gâteau en forme de pape. Mais non, mais je suis vraiment le pape, ne me mangez pas, monsieur. Mais si, s'il vous plaît, non, vraiment, vous avez l'air délicieux. Non, je vous dis que je suis vraiment le pape. Je peux quand même goûter un petit peu, s'il vous plaît? Allez, laissez-moi le faire. Allez, bah merci.
Et c'est la tendance du moment, offrir des bébés à des personnalités. Souvenez-vous, hier à Marseille, Emmanuel Macron en a reçu un. Mais il a été battu à plate couture par le pape. Aujourd'hui, attendez, arrêtez la bagnole, je crois qu'on veut m'offrir un truc. Allez, de un bébé et un deuxième bébé. Un troisième bébé et un dernier pour la route. Et résultat, toute la petite famille était réunie, le son est d'origine. C'est mignon. Alors oui, je sais que ça veut dire pape Patrick. Ah ben non, il n'est pas là. Vieux réflexe, autant pour moi. L'info continue demain. Bonne soirée. Ah oui. Merci beaucoup, Bertrand. Merci.